Bonjour, bonjour la team, pardon. Je suis en train de faire mes affaires, je vous prends cette tête, je fais comme Elia. Est-ce que je suis bien coiffée? C'est bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 mai et j'ouvre encore mes cadeaux d'anniversaire, en fait, mes enveloppes qui me restent. Je suis désolée, en ce moment, je cours après le temps. Je sais pas comment je me débrouille en ce moment, mais c'est la catastrophe. Voilà, c'est la catastrophe de chez Catastrophe. Mais bon. Il y a des périodes comme ça où voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous, ça va. Aujourd'hui, il pleut, hein, il pleut un peu, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça rafraîchit un peu parce qu'hier, il faisait super chaud. Chez nous, on est monté à 36, je crois. Il faisait super chaud et du coup, aujourd'hui, ça caille. Mais bon, on va pas se plaindre, ça va rafraîchir, on va mieux dormir. Donc, je continue. Comme je vous ai dit, j'ai encore un sac comme ça avec encore plein d'enveloppes à l'intérieur, enfin plein. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, plus celle-là, huit. Voilà, donc après, comme ça, je ne vous saoulerai plus avec. Parce que bon, mon anniversaire, c'était un peu le 23 avril. Donc du coup, j'ai beaucoup de retard. Donc je suis désolée, les filles. Et par contre, j'ai reçu un mail comme quoi que j'avais fini de voir les. Ouais. Alors tout ce qui est colis, c'est fini. Maintenant, il me reste que des enveloppes. Alors si tu m'avais envoyé un colis comme tu m'as envoyé dans le mail, je suis désolée, mais j'ai plus rien, quoi. J'ai rien reçu. Là, il me reste que des enveloppes, des cartes, etc. Donc voilà, là, j'ouvre au fur et à mesure. Je me dépêche un petit peu parce qu'il est. Je vais regarder l'heure en même temps, je suis désolée, donc je vais faire ça, je pense, en deux ou trois vidéos. Il est 4h moins 20 et en ce moment, Elia a fini les cours à 4h, donc je vais la chercher. Hein, ça lui évite déjà qu'aujourd'hui, la pauvre, elle a commencé à 8h ce matin là, avec 3h de cours. Elle a eu que de l'étude dans la journée, ils n'ont pas pu déplacer les cours, donc ça fait que. Enfin bon, bref, je vous raconte pas ma vie, mais bon. Hein. Alors, nous avons une enveloppe comme ceci de Nicole. Alors, très très jolie enveloppe avec un tamponnage comme ceci, des petits oiseaux et ton washi. Franchement, je l'adore. Il est vraiment trop trop beau avec des petites enveloppes comme ça. Je sais pas où tu l'as eu, mais il est juste. Enfin, j'adore. Voilà, il est super beau. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Hop là. Et après, on va vous faire une vidéo aussi avec Elia, je pense. Vous verrez ça prochainement. Alors, du coup, donc là, j'ai l'enveloppe, mais je ne vous montre pas parce que, du coup, il y a l'adresse dessus. Courrier confidentiel. Alors, je ne sais pas s'il fallait que je l'ouvre en vidéo ou pas. Courrier confidentiel, comme ceci, avec un petit Bambi dessus. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors. Alors là, c'est la première fois, je crois, que j'ai un courrier aussi long. Voilà. Comment vous dire? Ça sent terriblement bon ton courrier. Ça sent un peu la lavande. Donc elle me l'a fait le jour de Pâques. Donc elle a connu le scrap par rapport au confinement, oui, parce que là, je suis en train de lire et donc du coup, je vous parle même pas.
Ouais, depuis l'arrivée d'Action, mais Action, il n'y a rien, putain, bon, la dernière fois, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, c'est la première fois que j'ai une lettre aussi longue, c'est super gentil, je te remercie énormément. Ouais, je disais donc, pour revenir à Action, ouais, c'est bien, mais franchement, il n'y a rien, bon, la dernière fois que j'y suis allée, je vous l'ai dit, franchement, il n'y a que dalle. Ouh, oh, mais j'ai ta photo, c'est trop bien! Alors, je vous montre pas. Donc, elle m'a fait une petite carte comme ceci que je vais vous montrer qui est très très jolie avec un genre de cornet de glace et rempli de fleurs avec des petits coins comme ça. Franchement, trop trop joli. Et du coup, ben, j'ai sa photo. Donc, en fait, vous me voyez, vous me connaissez. Et je sais que c'est Corinne de Rosemont qui avait fait son dernier concours, je crois, comme ça, où elle demandait qu'on lui envoie. Des petites cartes comme ça ou avec une photo. Et c'est vrai qu'elle a raison, en fait, le fait de vous voir aussi, ça met un visage sur vos noms parce que bah, vous me connaissez. Mais moi, en fait, quand vous-même, quand je lis vos commentaires, etc., il y a souvent des noms qui reviennent et qui reviennent. Mais c'est vrai que je ne vois pas quoi. Et là, c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore. Ah, c'est trop bien, bah, je garde pour moi. C'est trop gentil, ah, je kiffe, merci beaucoup. Ah, c'est génial, c'est la première fois qu'on me le fait ça. Merci Nicole, c'est trop trop bien. En tout cas, ça sent trop bon. Ton courrier, il sent trop trop bon. Ah, j'adore, je suis trop fan. Alors, nous avons une Memory Dex, une découpe de Memory Dex comme ceci. Voilà, comme ceci. Hop, et qui s'ouvre en fait comme ça. Pas mal ça, c'est original. Vous voyez? C'est pas mal du tout ça. Alors moi les Memory Dex, j'en ai pas parce que tout simplement il faudrait que j'achète l'appareil à Memory Dex là. Mais je crois que c'est pas donné comme truc. Donc du coup j'ai pas du tout. Alors, j'ai une pochette comme ceci, avec, comme je vous ai dit, un petit fan. Donc, c'est le numéro 1. Donc, c'est ce que je dois ouvrir en premier. Ensuite, on a un tamponnage avec les petits oiseaux, comme il y avait sur l'enveloppe. Qu'elle a mis, en fait, comme ça, accroché. C'est trop sympa. Et là, il a l'air d'avoir un truc trop joli. Eh, ça sent trop bon dans ton courrier là. Ça sent la lavande. C'est magnifique. Oh là là, tu m'as parfumé. Oh, j'ai l'impression d'être dans le sud. Alors là, déjà, on a un oiseau. Alors, je ne sais pas s'il était accroché ou pas. Comme ceci. Et là, on a. Alors, je ne sais pas si c'est une carte ou quoi. Accroché avec des petits. J'adore, c'est trop chouette ça. Ah, mais t'as fait un. Oh, c'est trop bien. Alors, elle a mis le chiffre 40. Bon, pour le moment, ça va, les filles, hein, le chiffre 40. Mais quand je le vois partout, ça me stresse quand même un petit peu. Ah oui, d'accord. En fait, c'est un collier qui est entouré autour. Donc, en fait, ça fait double cadeau. Vous voyez, c'est un collier avec une clé et un trèfle à quatre feuilles, comme ceci. Et qui est entouré, en fait, autour de la carte pochette, comme ça. Et regardez, donc, avec mon. Ben, c'est avec mon bloc fétiche de chez Action violet, hein, vous savez, avec la lavande. Et c'est pour ça que ça sent toute la lavande. C'est trop bien. Et avec, donc, elle a marqué Scrap Sweet dans du vélum, comme ça. Oh, c'est trop sympa. Et pour remplacer les phares derrière, elle a mis des petits strass. Franchement, ça tue. J'adore. J'adore voir vos créations. C'est trop, trop bien. Ah ouais, là, elle a fait une carte. Ah, c'est trop gentil. Hey, ça sent de fou. Je ne sais pas ce que tu m'as mis dedans. C'est un parfum ou quoi. Donc ça se présente comme ceci. Vous ouvrez. Là, on a une pochette. En fait, un petit rabat comme ceci. Ensuite, là, on a une pochette. Enfin, une pochette. Un petit rabat ici. Donc là, elle m'a marqué un petit mot. Voilà, ça se présente comme ça. Et là, en dessous, on a encore une pochette comme ceci là. Un petit rabat. Franchement, l'idée, elle est vraiment super sympa. Ah, mais c'est ça, je suis con, moi.
Elle est là. Ah ben voilà. Mais ben oui. Je disais bien que ça sentait la lavande. Regardez. Je l'ai trouvée, la lavande. Ah mais ça sent de... Et ça a embaumé tout le... Oh, c'est trop bien de faire ça. Voyez, vous mettez une lavande séchée ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être sympa aussi dans un envoi. Et ça sent. Mais depuis tout à l'heure, hein, ça a embaumé vraiment toute l'enveloppe. Ouais, j'adore. Je me shoote. Je me shoote. Ça sent trop le sud, etc. etc. là. Allez, j'ai envie de partir en vacances. Pff, si on pouvait. Mais bon. Vous voyez, 40 ans, c'est la vieillesse. J'arrive même plus à me baisser pour ramasser les trucs. Pauvre France. Je te remercie beaucoup. C'est trop, trop sympa. C'est trop joli. J'aime beaucoup l'idée de la fleur séchée à l'intérieur. Voilà, je suis trop fan. Je te remercie énormément. Ensuite, on a un paquet numéro 2, comme ceci, avec un hibou. Où il y a marqué surprise. Surprise. Putain, déjà. En fait, j'ai l'impression que j'ai le temps. Il est déjà moins 10. Donc, enfin, je me dépêche. Alors, ça, j'adore. À chaque fois, je la vois, cette carte. Enfin, j'ai déjà vu. Mais je sais pas comment faut faire, en fait. En fait, c'est une carte comme ça, hexagonale. Vous voyez? Et quand vous l'ouvrez, en fait, ça donne ceci. Et ça fait une carte fermée. Et à l'intérieur, vous avez un hexagone. Alors déjà que je suis nulle en triangle, comment vous dire qu'avec l'hexagone, voilà. Et en plus, il faut faire les arrondis. Alors les arrondis, on les fait comment? Alors est-ce que c'est un dies ou est-ce que tu l'as fait à la main? Franchement, je ne sais pas. Mais je l'ai déjà vu passer plusieurs fois cette carte. Mais voilà, moi, c'est vrai que là-dessus, je ne m'attenterai pas à le faire à la main. Je sais que j'y arriverai pas. C'est sûr. Je suis... pas doué pour faire ça. En tout cas, ça, j'adore ce style-là. Je te remercie beaucoup. Oh. Alors là, on a une carte comme ça, toute simple. Et quand on ouvre, ça brille. C'est trop chouette. J'adore. Je sais pas s'il faut que j'enlève. Ah ouais, si. Oh, mais t'es malade. Il fallait pas. Alors là, non. Ah non, Nicole. Donc en fait, on a une carte comme ça. Et à l'intérieur, quand on ouvre, tac. Donc en fait, c'est une pochette cadeau. Avec les. Alors là, les stickers, vous voyez, là, comment ils sont mis. J'adore. Je trouve ça fait joli. Moi, quand je les mets, je trouve ça fait pas beau. En tout cas, ce violon, il est trop beau. J'adore ces stickers de chez Action. Ils sont juste magnifiques, mais j'arrive pas à les utiliser. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, mais il fallait pas, quoi. Donc en fait j'ai une carte bon ben, il y avait mon nom tant pis. J'ai une carte cadeau de chez Action. Wow. Il fallait pas. C'est trop gentil, je te remercie énormément. Ben écoute, s'il y a des nouveautés, des petites choses, voilà, chez Action, ben voilà, j'irai les prendre. J'espère trouver, voilà, je voulais trouver des petites fleurs. Alors il y a les nouvelles, celles qui disent les nouvelles en fait, un petit peu vélum et tout, c'est pas des nouveautés en fait, c'est Action qui les remet à peu près tous les ans. Mais il y a des nouvelles couleurs et ça j'aimerais bien les avoir, mais il y en a d'autres, des petites par contre qui sont nouvelles et ça j'aimerais bien les trouver. Et je te remercie beaucoup, mais vraiment, il fallait pas quoi. Ça me touche énormément. Je te remercie énormément. Oh, pff, ça m'embête. voilà, ça me gêne. En tout cas, ton idée de pochette cadeau comme ça, c'est vraiment trop, trop chouette. Ah, j'adore. Il y a tout qui sent la lavande. C'est un truc de malade. C'est trop, trop bien. Je te remercie beaucoup, Nicole. Ça me gêne. Franchement, ça me gêne. Et ensuite, on a le numéro 3. Alors, donc, un dies de noz. Donc, c'est un dies. Je le sais. C'est trop mignon, tes petites, genre, c'est un petit tomate ou je sais pas ce que c'est comme ça. Alors. Hop. Ah non, mais c'est d'accord. En fait, avec le dies, tu arrives à faire une pochette comme ça. C'est trop bien.
Donc en fait, avec le dice, putain, moi j'ai jamais vu ça, non. Avec le dice comme ça fait, on peut faire une pochette avec. Putain, moi j'ai jamais vu ça. Ça fait, ça, on peut faire un cadre. Ah ouais. Ça c'est bien, il est bien ce dice, au moins c'est fait direct. Ça c'est trop bien. Ah ouais. En même temps, non, c'est pareil, ça fait perpète, je suis pas allée, j'y trouve plus rien. Et quand je trouve des choses, franchement, c'est super cher. Donc, du coup. Alors là, je ne vais pas ouvrir parce que voilà. Ah merde, c'est trop tard, tant pis pour l'année prochaine. Oh, j'arrête pas de dire des gros mots, Betty. En fait, elle m'a envoyé des muguets en découpe. Oh, c'est trop bien. Donc, j'ouvre pas. Donc, vous voyez, c'est dans un petit sachet comme ça. Bah, maintenant, c'est trop tard. Hein. Je l'aurais ouvert pour mon anniversaire. Je les aurais eu, tant pis. Mais là, je les aurais bah, pour l'année prochaine. Et en fait, c'est des petits brins comme ça de muguet. Des petites clochettes de muguet comme ça. C'est trop bien. C'est trop cool. Merci beaucoup. C'est trop génial. Merci. Et là, c'est pareil, en fait, elle me l'a fait, mais sur de la mousse, pour faire des brins de muguet avec de la mousse. Alors là, vous avez déjà testé ça, vous? Regardez les brins de muguet comme ça, donc elle les a colorisés en vert. Et en fait, elle fait la découpe sur de la, sur, comme du polystyrène, en fait. Et en fait, ça fait un petit effet comme ça, 3D. Regardez, ça peut vous donner des idées. Vous voyez, sur un polystyrène fin. Ah bon, celle-là, je la connaissais pas. Ah oui, c'est classe, ça. Donc là, moi, elle m'a pré-découpé. Et j'ai plus qu'à enlever et après à coloriser. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez que dalle. Voilà. Ah, c'est génial. Ah ben là, l'idée, fallait y penser. Top. C'est top. Ben, je te remercie énormément. Par contre, cette découpe-là, j'aimerais bien la trouver, elle. C'est vraiment... c'est pratique de chez pratique. Ah, c'est top. Moi, je vous dis, ça fait longtemps que je suis pas allée à Noce. Ça fait longtemps que je suis pas à Action. C'est pareil, ça faisait un moment que j'y avais pas été. Mais vraiment, la dernière fois, il me fallait, comme je vous avais dit, du café, du PQ, etc. Donc, j'y suis allée. Et rien, c'est vraiment limite. Il faudrait que je voie si j'ai le droit de filmer. Parce qu'apparemment, dans certaines actions, on a le droit de filmer, dans d'autres, non. Donc, moi, je sais pas si j'aurai le droit de filmer dans mon action. Juste que je vous montre l'état de mon rayon. Par contre, les dice, alors si vous voulez des dice, il y en a au taquet. Je crois que au début, ils avaient mis, on doit avoir un, deux, on a peut-être cinq étages. Et les dice, ils ont descendu quand même les dice sur deux étages. Tellement pour vous dire qu'il y a plus rien, quoi, à part des dice. Mais voilà, quoi, les dice, ok, c'est bien les dice, mais ça fait pas tout, quoi. Voilà, ça fait pas tout. Donc ton collier ici, il va venir s'accrocher, il va venir s'accrocher là. Et tout simplement, voilà, parce que j'ai envie qu'il soit accroché là et que voilà, ça va me, j'espère porter chance. Alors j'essaie de soulever mon étagère et voilà, il est accroché. Voilà, j'ai certaines choses comme ça qui sont accrochées, ou ma Betty Boop là que j'avais eu aussi comme ça, voilà. Et là, j'ai le collier qui est accroché. Donc voilà, bombé. Là, je suis à la bourre. Je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Bon, mais du coup, 20 minutes pour cette vidéo. Donc, je pense que je vais rester que sur Nicole pour cette vidéo. En tout cas, Nicole, je te remercie énormément. Ça me fait super plaisir. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis contente, j'ai eu un long mot. Je crois que c'est la première fois que j'ai un aussi long mot, ouais. Et merci pour la carte d'achat Action. J'espère vraiment trouver... J'espère vraiment trouver les choses que j'aimerais trouver, quoi, voilà, tout simplement. Et puis voilà, quoi, j'ai été super gâtée, de toute façon, à chaque fois, je vous le dis, hein, pour cet anniversaire. Moi, je vous fais des gros bisous, je vais vous lancer la vidéo, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Je vous kiffe, bisous. Je cherche comment éteindre la vidéo. Je ne suis pas arrivée au collège, hein, je vous le dis. Allez, bisous.